Ben, je pense que début de saison, on a mis un peu, ben, on a pris un peu un coup derrière la tête de se dire ben, qu'il fallait repartir en Ligue 2 alors qu'on n'a jamais été aussi proche de la Ligue 1, quoi. L'année dernière, on a fait la saison dernière quasi sans faute sur la partie des matchs aller. On avait atteint un total de 37 points, c'était le meilleur total sur une première partie de saison du championnat de la Ligue 2. Voilà, après, on a changé de coach, de méthode de travail, des joueurs importants comme Romain et Sandrine, par exemple, sont partis. Donc, il a fallu tout un peu reconstruire avec repartir un peu sur de nouvelles bases. Et c'est sûr qu'on est su, surtout on est très très mal parti dans notre championnat. On avait mal commencé et après on avait réussi à redresser un peu la barre. Donc ça a été difficile, mais voilà, il y a eu c'est un tout de plusieurs choses. Donc maintenant, ça a été une année très très compliquée pour nous, à la fois au niveau des résultats et même psychologiquement. Donc il va falloir vite maintenir pour passer à autre chose et oublier cette saison qui était vraiment compliquée pour nous. Ben voilà, j'étais un peu déçu parce que je pense que il y avait quelque chose à faire, parce qu'il y a quand même une équipe avec beaucoup de talent, beaucoup de bons joueurs et de jeunes joueurs. Après, voilà, il faut arriver à trouver la bonne formule pour faire évoluer tout le monde ensemble. Donc non, je pense que à l'image des supporters marocains, ouais, je suis quand même déçu parce que je pense que il y avait quelque chose à faire, mais il n'y a pas de souci sur l'avenir de la sélection. C'est que le début du, comme j'avais déjà dit, d'une nouvelle génération de joueurs. Donc c'est que le commencement et maintenant il va falloir se concentrer ben, sur les derniers matchs de qualification de Coupe du Monde qui vont être difficiles. Et puis après pour bien se préparer pour la CAN en 2015 ou qui sera au Maroc, et je pense que là sommes la victoire contre. J'ai pas eu de trop de nouvelles depuis la CAN. J'ai dû donc voilà, mais après je m'attache à faire mes matchs moi de mon côté. Et puis parce que voilà, je sais que j'ai eu notamment quand j'étais revenu de sélection, même avant la CAN, et voilà, donc je sais qu'ils me suivent. Donc maintenant c'est à moi de tout faire pour y retourner, parce que voilà, c'est quand on y a goûté une fois, on a toujours envie de retourner, et c'est sûr que ça donne envie et c'est une fierté de porter le mérite de son pays. J'espère y être, c'est l'objectif que je me donne. Donc oui, j'espère être appelé et avec grand grand plaisir pour tout donner pour mon pays. Mais après voilà, je sais que si je suis pas appelé, ben voilà, ça va me donner encore envie de plus travailler pour y retourner. Donc lâcherai vraiment pas l'affaire pour retourner en équipe nationale, et je continuerai à bosser quoi qu'il arrive pour y retourner. On sait de temps en temps par message. Ouais, on prend un peu des nouvelles de l'un et l'autre de temps en temps. Donc, ouais, j'espère qu'il va continuer à faire ce qu'il sait faire de mieux en équipe à Toulouse, pour que lui aussi, ben voilà, il soit rappelé aussi en sélection. Un
voilà, qui continue à soutenir l'équipe nationale comme ils le font, même si je sais que dernier temps c'est un peu difficile, mais faut que voilà, faut qu'ils disent que c'est l'équipe, elle est en construction, et que là, elle fera, j'en suis sûr, inch'Allah, de grandes choses, et avec l'objectif de gagner la CAN 2015 au Maroc, inch'Allah, et que tout le pays soit en fête pour fêter un titre comme ça qu'on attend depuis longtemps. Donc, je continue à soutenir l'équipe nationale, et voilà, l'équipe ne lâchera pas, ça c'est sûr.